Bonjour, mon nom est Marc Guiloubier. Bienvenue à cette session de Speed Coaching où en moins de 2 minutes, on veut discuter, présenter certaines stratégies pour améliorer l'engagement de vos collaborateurs, mais aussi celui de vos clients. Aujourd'hui, on discute de la règle du 15-70-15 et on fait référence à l'utilisation de votre temps comme gestionnaire ou comme collaborateur, à savoir où donner et à qui surtout donner vos priorités. Parce que si on place la plupart des collaborateurs de votre équipe, OK? On est capable de s'y retrouver dans cet exercice pour la plupart, qu'on ait 3 personnes, qu'on en ait 100 ou qu'on en ait 25. Donc, pensez à vos gens qui sont les plus performants. En fait, si vous vous arrêtez à y penser 2 minutes, il y a environ 15% des gens qui sont des gens qu'on dit performants. Ils collaborent, ils sont la plupart du temps très engagés à votre cause, à votre entreprise ou à votre marque. Si on va de l'autre côté maintenant, c'est ce que j'appelle le côté obscur de la force. Et de ce côté-là, ben ça traîne la patte, ça veut pas trop trop fort, l'engagement est très 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 bas. Et pour la plupart des collaborateurs, ça va se situer ici dans le plus gros, la plus grosse portion de cette cloche. Donc 70% vont se situer dans la moyenne. Maintenant, si je vous pose la question suivante, en séparant mon graphique en deux, OK? D'après vous autres, lequel de ces deux groupes-là a le plus de chances de vous aider à réaliser vos objectifs, vos buts, votre vision? Est-ce que c'est les gens de ce côté-ci ou les gens de ce côté-là? Ben, je vous le donne en mille, c'est effectivement ces gens-là que la plupart du temps, les directeurs, les gestionnaires me répondent. Maintenant, qui prend le plus de votre temps, de vos énergies, de vos préoccupations? Qui, dans le fond, vous empêche des fois de dormir la nuit même parce qu'il vous cause des problèmes? Encore là, est-ce que c'est des gens de ce côté-là ou les gens de ce côté-là? Poser des questions, c'est souvent y répondre. Hein? La réponse que j'obtiens le plus souvent, c'est de ce côté-ci. Et maintenant, laissez-moi vous poser la question suivante. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est logique de donner beaucoup de temps à des gens qui ne nous aident pas à nous rendre où est-ce qu'on veut aller en termes d'objectifs, en termes de vision? Ben, la façon de s'y prendre, c'est simplement le voir de cette façon-là. Ceux-là, ils savent la plupart du temps déjà très, très, très bien quoi faire, sont assez autonomes. C'est la plupart du temps, pas mal plus avec les gens qui vont se situer à ce niveau-là, qu'il faut décider d'investir de votre temps. Tandis que les autres, eh bien, si on vous sollicite pas, vous savez quoi faire. Allez passer votre temps où est-ce que vous pouvez marquer des points et amener des progrès intéressants à créer de l'engagement, à créer des résultats. Je vous souhaite bon succès et bon engagement.